Tortellus family. C'est dernier jour au mois de juillet, mais c'est deuxième sortie téléjournal là pour semaine ça. Bonsoir tout le monde. Merci parce que nous branchons télévision nationale d'Haïti dans le journal là. Mais grand titre quoi, soyez. Président République, Jovenel Moïse, visité Direction Générale Police Nationale l'an journée mardi à dans quartier général institution dans Pétionville. Chef l'État renouvelé détermination pour accompagner au état-major police là dans j'effort la fait pour remplir mission là, comme ça doit. Président Chambaslan, député Gary Baudot, encouragé président pour vencer à série consultation yo, dans l'idée pour choisir un premier ministre en vain longtemps. Commission économie et finance, Sénat République Lan, fait une séance travail à gouverneur Banque Centrale là, Jean-Baden Dubois, sous budget rectificatif 2017-2018 là. Audience dans cas d'assises criminelles avec assistance jurio après poursuivre dans tribunal première instance Port-au-Prince. Doyen tribunal lent, maître Bernard Saint-Ville, expliquait toute disposition prend pour faciliter bon déroulement audiencio. Actualité en sous-plan international, président américain Donald Trump dit lui prêt pour rencontrer Tokay iranien Hassan Rouhani après les films mettaient un bout dans l'accord sur nucléaire en deux pays. Zami téléspectateurs, pas déplacés, n'a retourné tout de suite à développement journal ça. Il faut encore saluer et remercier tout le monde qui branchait téléjournal Lance ou télévision nationale d'Haïti dans la présentation. C'est Linela. N'a démarré tout de suite avec information yo, et sinon page météorologique là, ensemble avec collaborateur nous Wilner Polidor qui prend le poté pour nous toute information sous temps. Salut les amis, c'est un plaisir pour nous ensemble jeudi pour prévision météorologique là, en avec comme condition météorologique là, et pays a très nuageux au cours de journée, en avec qui ça fait ça. Nous gagnons un tropical cap traversé pays d'Haïti au cours de jeudi et un tropical ça. Jean Noël sous image satellite là, il y a quelques activités convectives qui marchent ensemble avec lui, et c'est pour ça jeudi on va attendre avec longtemps qui nuageux au cours de journée et en soirée avec possibilité pour gagner quelques averses la pluie sur certains départements pour jeudi. Il y en a un département qui a concerné pour la pluie. Nous avons une région qui a concerné par activité la pluie au cours de fin d'après-midi et en soirée. Le département Artibonite et le centre aussi sont supposés concernés par activité la pluie. À la rigueur, l'ouest et la région sud-là aussi a concerné par activité la pluie au cours de fin d'après-midi et en soirée. Il faut que nous disions ça. La traversée pays a et vraiment venu avec quelques instabilités capables de provoquer quelques activités rapides. J'en ai dit là sous région nous saute cité là. Capitale Port-au-Prince pays d'Haïti, c'est une capitale qui aussi en bas instabilité avec nuages au cours de journée et en soirée avec quelques averses rapides qui étaient possibles et surtout dans le quartier qui est au sud de capitale là avec un monde d'appel qui a une possibilité pour gagner quelques avec ça puis capable de faire à modérer avec quelques coups de l'orage et n'a pas une température qui a monté aujourd'hui à jusqu'à 35 degrés Celsius et puis voilà, descendre c'est 24 degrés. Gagnon la mer qui est agité sous côte sud pays d'Haïti et jusqu'à fort au large, mais pour côte nord avec golfe de la Gonâve, c'est une mer qui peut agiter. Captain, une précaution surtout pour côte sud pays d'Haïti, nous prévoir activité la vie et aussi visibilité après du fort plan en pile précaution sous la mer pendant que y a navigué. Et pour parler astronomique, on serait là couché jeudi à 7h24 et la levée demain matin à 6h27. Mesdames, messieurs, merci pour fêter nous avec attention. Nous nous croisons demain pour notre page en météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous.
Nous sommes annoncés dans grand sitio, président républicain, Jovenel Moïse, visité direction générale police nationale, journée mardia, dans quartier général institution, dans Pétionville. Chef l'État renouvelé détermination pour accompagner haut état-major police là, dans tout effort l'a fait pour établir l'ordre et puis remplir mission qui s'est protégée à sa vie. Sabine Jean-Étienne, adjoint Maël Duvernet, a fait déplacement et un reportage. C'est en visite pour permettre président républicain Jovenel Moïse assurer le gain en plus bon coordination entre différentes entités qu'il a pour établir bon climat dans le pays. Pendant un bon moment, Chita parlé avec le directeur général PNH, le président républicain a informé de différents besoins institutions, et spécialement conditions de travail agent PNH. Nous parlons de des affaires, conditions de travail policiers qui remplissent des problèmes. Moi, je connais que le Premier ministre des démissionnaires là, ils font gros effort avec la direction générale de police qui permet une quantité de motocyclettes péruviennes, qui ont parlé de disciplines péruviennes. Et dans la relation avec Taïwan, nous parlons de ça, sur l'affaire de véhicules que Taïwan, d'ici peut-être un mois, il paraît pour les policiers qui permettre que le niveau. Unité spécialisée, mobilité arrive plus parce que le temps de réaction, véhicule qui pouvait qui pour permettre que réaction au fait, déjà j'ai parlé de ça avec moi qui dit que ça sont pas extrêmement important, même le effort qui fait pendant les derniers jours, qui permettent que les policiers gagnent certains machines, motocyclettes qui vous permettent de bouger, mais en fait, nous avons travaillé pour que j'aime vous dire. Pour nous, une police qui est capable de gagner, qui est en capacité de gagner problème pour intervenir en temps réel. Nous parlons d'entrer l'école là, nous connaissons ça des policiers, c'est presque 16 000. Presque 16 000. Presque 16 000, ça veut dire l'école va rentrer, il y a un policier qui papa, il y a un policier qui maman. Ça veut dire nous parler de ça. Problème assurance qui est dans le niveau policier, c'est un problème grave. Si un policier a un problème, je dis à l'arrivée dans l'hôpital, moi-même, je ne pas connaître, si je ne pas venir là, je ne pas connaître. Le policier arrive dans l'hôpital, il faut se payer d'avance. C'est extrêmement grave. C'est les métiers de la patrie que nous avons fait, c'est les métiers ingrats. Comment par exemple un policier vient de blesser et puis le lui vient dans l'hôpital, s'il n'y a pas de confinement possible, il ne va pas prendre soin. Nous parlons de ça avec des gens. C'est que le gouvernement qui a venu, il peut venir ça, comme des quick wins, ça veut dire des résultats rapides qui n'en feuille de route. Pas le premier ministre qui va venir, c'est ça qui va venir bien vite. Pour le résoudre, parce que j'en veux pas ça, c'est ça où il est en créole, c'est des bases qui va. Tout de suite après, Chita parlé ça, chef l'État a été profité visiter base installation technique à communication PNH là, qui trouvait en dans même local là. Chef l'État a dit, là va accompagner institution la police là, pour permettre à jour à nouvelles technologies, information à communication yo, qui est important en pile dans la lutte contre délinquance à criminalité. J'aime volonté manifeste ça que moi, dans l'équipe ça, moi rien pour faire technologie d'une chita en danger sur la police. Moi je dis, monsieur fier de nous, je suis fier de vous, comme tout ça, que ça me voit là, moi impressionné pour moi que je le dis, technologie, c'est pour la police qui chita sous Yodi. Son police qui chita l'audience, sous statistiques, son police qui chita sous technologie, son police qui chita sous mon image réelle. Monsieur a plein là de problèmes, capacités qui ont gagné, même dans Internet, parce que en fait, pays a un gros problème de quatrième génération, à troisième génération, ils ont même souffert de problèmes de quatrième génération. Il est important, nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, pour nous résoudre le problème de la quatrième génération, pour que le peuple ait regardé, bien comprendre qui est la quatrième génération, c'est que, et c'est là, nous comptons dans le téléphone 2G, 3G, 4G. Avec un analyse, je dis 3G. Nous testons 4G, mais l'État, avec compagnie téléphonique, compagnie qui bat Internet, pour que jeunes chita, pour arriver, mettre le pays sous 4G légalement. Et nous parlons de travail sur ça pour que le pays ait les 4G, parce que moi, nécessité, par exemple, dans le travail qu'on fait dans le niveau policier, 4G a une nécessité pour eux, parce que 4G, c'est ce qui peut permettre de qualité Internet qu'ils ont besoin
nous faire travailler aujourd'hui. Désormais, c'est un vaste mouvement exécutif la lancé avec la police nationale là pour accompagner différentes unités dans le travail à faire souterrain. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité, hein, c'est nomination et un nouveau Premier ministre. Eh bien, en série consultation, président Jovenel Moïse a fait à différents secteurs qui concernaient dans le choix et un nouveau Premier ministre dans le pays, hein, a poursuivre. Dans le moment, il a visité quartier général police nationale l'an mardi 31 juillet. Chef l'État, bah, population hein, garantie, non, Premier ministre choisi, hein, à public en vend longtemps. On suit. Négociation n'est pas qu'à faire éternellement. Ça veut dire qu'il faut arriver et nous avons une conjoncture qui est extrêmement difficile. Rentrer des classes, c'est demain matin. Et décembre, tout c'est demain matin. Ça veut dire que nous avons rentré des classes, nous avons une fin d'année qui est tout près. Et puis, vous avez une grosse décision qui pour faire, qui pour faire que stratégie faire avant le changement, qui c'est, il y a un plus gros espoir que le monde à travers le pays en matière d'infrastructure, même pas l'infrastructure, vous parler d'infrastructure routière, infrastructure agricole, bien dans le pays, pour le faire pour le gouvernement. Et c'est pour ça la consultation. Je suis là, je pense que je vais réunir avec la fédération Kazekyo, je vais rencontrer avec la fédération magistrat hier, je vais rencontrer avec paysans, mon association paysan. Et moi, je crois que je vais d'ici semaine, à non pour le ministre, le peuple a connaît parce que faut suspense a fini pour que le peuple connaît non pour le ministre. Pour que nous passions pour l'autre page, pour aller dans ça où il est, les audiences, les négociations avec le Parlement, et pour nous aller dans la formation du gouvernement. Mais je ne connais pas, mon Premier ministre, c'est pour pas que j'aime passer. Parce que le Premier ministre, force son monde qui achète à parler à tout le monde, son monde qui l'a nommé, il n'est pas prêt, bon groupe, il fait peur, bon l'autre, il fait content. Pour bien bon groupe, il fait fâché, bon l'autre groupe, il fait content. Payant, on a un carrefour côté nous, il y a un carrefour extrêmement difficile. Si tu as parlé à vivre ensemble, c'est la même nous. C'est pour ça que nous travaillons pour nous mettre au monde, dans la tête gouvernement, qui sont monde, qui fait parler à tout le monde, au monde qui va faire un groupe peur, qui va faire un groupe content, mais au monde qui fait là pour servir tout le monde. Nous avons toujours été dans le même sujet, ça, ensemble avec le président Chambre député, Gary Baudot, qui réagit sous l'aide tout l'ouvrir, il a adressé président Jovenel Moïse sous conjonctive politique pays. Député Gary Baudot félicité chef l'État pour ses consultations, li entamé à différents secteurs organisés dans le pays, sous choix yon l'autre premier ministre. Yon l'autre côté, président Chambre député a dit, li souhaité, non jour sa yo, président République l'an Jovenel Moïse, annoncé non premier ministre, li choisi a. Li tenan micro, Sainte-Croix Paki ak Moïse Wilbridge, en suivant bout. Ça fait pratiquement 3 semaines depuis que le président de la République est en train de faire des consultations que nous avons saluées parce qu'il faut quand même encourager le dialogue et la concertation dans le contexte politique actuel. Donc le président pratiquement il prend des initiatives pour rencontrer les secteurs vitaux de la vie nationale. C'est une bonne chose. Cependant, nous pensons par rapport à la conjoncture actuelle, nous connaissons le 3 septembre, c'est la rentrée des classes. Donc nous voyons ça qui se passe dans le pays là. Moi, ouais, par exemple, les nerfs sont à fleur de peau. Nous pensons, fort de tout cela, le président de la République doit et finalement et pouvoir et jeter son dévolu sous un femme ou bien un garçon qui doit premier ministre dans le contexte là, pourvu que Mounsa sont monde qui respectait tous les critères constitutionnels. Donc nous-mêmes, c'est la raison pour laquelle nous te font lettre ouverte au président de la République pour nous et pas ballon ultimatum. En plus, le monde pense que c'est ultimatum. Non, le président sont partenaires liés. Peut-être qu'il y a une lecture parle de situation au niveau de la Chambre des députés qui sont l'autre pouvoir. Nous avons l'autre lecture de situation. Mais quand même, nous pensons qu'il était nécessaire pour le président dialoguer avec les secteurs vitaux de la vie nationale. Mais après 3 semaines, je pense que Haïtien ça ou bien Haïtienne ça qui t'a supposé premier ministre,
Je pense que le président finit par choisir pour qu'il commence par le gouvernement, pour qu'il commence à poser problème d'ordre structurel. Parce que ce n'est ni le gouvernement, ni le premier ministre qui va changer la réalité à Kounia, mais ça va permettre que vous ayez des interfaces, ça va permettre que vous ayez des gens qui ont signé des contrats, peut-être avec les bailleurs du fonds de la communauté internationale, ou bien des gens comme interface, je dis à qui a lancé un gros programme assainissement dans le quartier populaire pour nous résoudre le problème humanitaire là. Et ça qui est important, c'est préparer l'entrée des classes là. Donc nous déjà dans le mois d'août, faut que l'entrée des classes là, qui au 3 septembre, et les préparer pour c'est pas les gens qui piézent, pour c'est pas les gens qui mieux placé dans la société a seulement qui est capable de voir petit à l'école. Donc, je pense que il y a des chantiers qui pressent et le gouvernement démissionnaire qui a liquidé à faire courant. Conseil de problèmes n'est pas qu'à résoudre, n'est pas qu'à continuer avec le dialogue social là. Parce que c'est un gouvernement qui n'inspire plus confiance. Donc, nous pensons que le président de la République là, supposé choisir un premier ministre pour que ça nous alerte l'opinion publique. Non pas parce que nous passons même longueur d'onde à président. Non, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Cependant, et par rapport à la conjoncture, nous parler pour aucun monde penser qu'il y a des négociations ou bien des tractations qu'a fait à l'interne, que ce soit bon côté député ou bien sénateur, pour empêcher que le président choisisse son premier ministre. Donc le président doit choisir. Donc nous l'invitons à accélérer le processus en vue de choisir un premier ministre à même de mener la Banque nationale. Nous avons toujours été dans ce sujet, ça, ensemble avec sénateur Niplan, Francenet Denius, qui souhaitait président Jovenel Moïse choisir un chef gouvernement qui a une capacité pour faire confiance retourner dans le peuple haïtien et puis permettre l'espoir bourgeonner dans le pays. Sénateur a souhaité ministre Kapgen pour faire partie gouvernement ça, travaille bien pour pays capable de prendre route progrès et développement. On suit. Il y a deux bagailles et qui caractérisent la société, c'est méfiance et désespoir. Et nous avons un peuple qui n'a pas confiance dans l'autorité, dans le monde qui a dirigé lui. Nous avons un peuple qui est désespéré, un peuple qui pensait que, eh bien, pas grand rien qui a fait pour lui. Maintenant, profil premier ministre, il faut que ce soit un monde qui est capable de faire confiance, retourner et qui est capable de faire l'espoir jamais en un pays. Mais faire confiance, retourner, faire l'espoir jamais, là nous rentrer dans la réalité, il faut que nous ayons une qui a une capacité technique et capacité politique pour lui et colter avec problèmes difficiles qui sont là. Parce que le premier problème pays, c'est un problème économique qui est lié. Donc maintenant, nous avons des problèmes économiques, nous avons besoin de faire des changements structurels pour nous capables de faire gagner l'économie en gagner relance, nous avons fait progrès avec le développement. Entre temps, nous avons un problème conjoncturel, tout qui est un problème grand groupe qui gagne dans le pays. Donc il faut que nous agissions à deux niveaux. L'un niveau et conjoncturel là, qui s'est venu avec des programmes sociaux pour nous capables calmer, pour nous capables créer une détente. Entre temps, c'est lancer nous vers de véritables projets de développement. Et bien, il faut que nous gagnions un premier ministre qui gagne capacité pour lui faire ça. Mais pas seulement le premier ministre, mais il faut que nous gagnions des ministres tout, qui dans chaque ministère. Parce que pas oublier que le premier ministre est responsable de la coordination de différentes actions que le ministre eux-mêmes a fait sous base et déclaration de politique générale, sous base feuille de route. Ouais, ça l'a fait. Maintenant, il faut que nous gagnions des ministres tout, qui gagnent de même profil, qui est capable de rétablir confiance, qui est capable de porter l'espoir, mais qui a une capacité tout, eh bien, pour lancer le pays véritablement sur la voie du progrès et du développement. Et puis, la Fédération nationale magistrat haïtien, FENAM, qui bail explication mardi 31 juillet, sous rencontre l'été gagnant avec le président Jovenel Moïse, dans date 30 juillet, dans le cadre consultation qui est en main pour choisir un nouveau premier ministre et former un autre gouvernement. Président FENAM, Jude-Édouard Pierre, proposait pour gagner un premier ministre rassemblé, qui prend en considération revendication tout secteur non-binational là.
Magistrat Jules-Édouard Pierre propose tout création d'un nouveau ministère qui prend en charge collectivité yo, dans l'idée pour faciliter yo remplir fonction yo plus bien. On suit un bout dans explication dans micro Louis Nel Jean-Louis avec Michel José. Mes profils, nous pensons qu'à aider le pays à avancer dans le choix au premier ministre. Premièrement, c'est un premier ministre qui a une expérience dans l'État. Au monde, il y a une connaissance de l'administration publique là parce que là, on ne peut pas le diriger comme premier ministre, il n'y a pas qu'à inexpérimenté. C'est-à-dire qu'il faut que le monde ait une connaissance du milieu administratif public. Il faut que ce soit un monde qui, que parti opposition, yo, que parti politique, yo, est bien capable d'entendre qu'à discuter avec elle, parce que je dis à, pas que personne au monde n'y a pensé qu'à diriger le pays d'Haïti pour col. Donc c'est une obligation, hein, c'est une obligation que le président attendait, qu'a choisi un premier ministre, et bien qui est capable de discuter avec parti politique, yo, avec opposition, hein, qui c'est une force démocratique tout, et que est obligé de composer avec elle, parce que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui aimons. Pays à opposition, tout comme parti politique, comme structure organisée, gagne droit de regard sur la fête de PM. Je parle à président, le premier ministre qui supposait une sensibilité assez significative sur la question de fiscalisation. L'autre point que nous devons souligner, attention, président, c'est vraiment un point ça qui sont ces points d'ancrage pour nous, c'est décomposition, eh bien, ministère intégré en deux ministères. Nous proposer et FENAM entendre continuer mener débat, agiter débat bien, pendant tout restant mandat noir pour ministère intérieur décomposé en deux ministères. Nous dit président ça ouvertement que par rapport à un ministère intérieur a fonctionné pendant les dernières années, par rapport à traitement qu'a baissé sur collectivité, hein, par rapport à l'importance du ministère intérieur gagné comme ministère régalien pour l'État ou gouvernement, nous proposer que il y a un ministère spécial qui associe à la décentralisation, à développement local. L'après le ministère des collectivités territoriales et du développement local qui a en charge du pilotage de la décentralisation en Haïti pour le compte du président, pour le compte du gouvernement, pour le compte des citoyens. Je dis à la mairie qui n'a pas gagné côté pour magistrat ou fonctionner. La mairie qui n'a pas gagné, eh bien, caille, qui n'a pas gagné hôtel de ville, qui n'a pas gagné bureau. Il y a des casettes qui n'ont pas de bureau, je dis à notre pays, alors que alors nous, c'est parce que c'est un management opérationnel qui fait de collectivité. Trop de questions politiques discutées dans l'environnement ministère intérieur, ou des questions d'immigration, sécurité intérieure, ont pile bon sujet qui fait partie des prérogatives de l'État, qui n'est pas des prérogatives de collectivité. Yo. Donc on n'a pas besoin d'associer collectivité à ministère intérieur aujourd'hui. C'est accorder le privilège aux élus de la République. Kazek, Azek, délégué de ville et maire, bon ministère totalement détaché de l'autre question qui occupait la question de socialisation. Bon côté PAL, président association magistrat Latibonitio, France Ulysse, souhaitait président Chita discussion autour sous formation cabinet ministériel. Magistrat Saint-Maclam a demandé pour ne pas impliquer dans le choix ministre. On suit. Mais nous montrer nécessité aussi pour gagner deux ministres qui sont prêts pour collaborer, qui comprennent nécessité et obligation de résultat que l'exécutif a gagné, et pour ces deux mondes comme ça, et ensuite limiter parlementaire dans désignation ministre, secrétaire d'État, directeur général en dans le gouvernement. Là, le président lui montre nous, il est très sensible, et une bagarre que lui dit nous, dans tout secteur que l'a rencontré, toute discussion déroulée autour du choix du premier ministre, c'est pour la première fois que mon secteur qui montrait nécessité que doit gagner un arrangement qui est fait au niveau du gouvernement. Parce que quand on choisit un ministre, il est en rébellion avec le premier ministre, et il n'a pas fait suivi son rien que soit président ou premier ministre a dit, alors que on coup de fil parlementaire seulement suffit pour faire les bouger. Donc nous montrer que son handicap est lié. Faut dans le compte qu'il va gagner avec le président Sénat et le président Chambasla sous désignation premier ministre, il va sensibiliser deux présidents pour y aller sensibiliser parlementaire pour qu'il y ait une certaine neutralité par rapport à choix ministre et permettre premier ministre là gagner libre et gagner liberté et pour être capable de faire choix moun li ka travaille avec yo pour ka bay résultat.
n'a prêté sous même lancé ça, mais avec parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille, Parasol, notre néolette tout l'ouvrit lundi 30 juillet, qui saluait président Jovenel Moïse pour façon la continuer mener consultation yo sous choix premier ministre. Lan. Dans son sens, président Parasol, lan, Yvon Bonhomme, souhaitait chef l'État haïtien continuer travail pour respecter revendications population. L'itinéraire micro Midre Emilias et Edicineus en suivent. L'aide tout l'ouvri ça, parti politique Parasol dit président République là. Suivant principe bonne gouvernance, en gouvernant et gouverner, eh bien pour président, pour population haïtienne, nan, au courant de quel que soit moun qui prend le ministre, donc qui prend le premier ministre, directeur général et même administrateur d'administration publique là. Population en fait pour au courant sous ces femmes qui est-ce qui marie ou qui est-ce qui petit tout côté à vivre et sous ces garçons qui est-ce qui madame ou qui est-ce qui petit tout côté à vivre. Population haïtienne a besoin d'explication pour le compte qui est-ce qui a dirigé. L'autre information n'a porté pour nous dans le journal ça, nous t'ai dit dans grand titio, Commission économie et finances, Sénat République l'an organisé yon séance travail à gouverneur Banque Centrale l'an, Jean-Baden Dubois, sous budget rectificatif 2017-2018 là. Président Commission économie et finances Sénat, sénateur Jean-Rigo Bélisère, expliquait rencontre ça à conseil BRH là, rentré dans quatre série analyse cap faite sous budget 2017-2018 là. Sénateur Jean-Rigo Bélisère annoncé commission a gagné pour rencontrer forum économique secteur privé hein, sous budget. Sénateur Jean-Rigo Bélisère tenant micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. À partir du moment où nous rencontrons avec tout acteur, les gens ont beaucoup plus d'informations au niveau des scénarios là. Lorsque nous prenons des décisions de vote pour nous connaître, nous voter en connaissance de cause. Et à chaque fois que la population a pour poser des questions, et bien les gens sont capables en mesure pour nous répondre aux questions. Donc, façon tout pour que les montants qui allouent et ou les allocations budgétaires, pour que nous capables bien connaître qui côté comme vous et poste budgétaire. Pour nous connaître exactement la raison fondamentale qui fait que tel poste ou tel ministère gagne beaucoup plus d'argent que tel autre, et bien ça permet bien beaucoup plus de transparence au niveau de redistribution de richesse nationale. Donc nous avons une occasion tout pour nous poser problème taxes qui viennent dans le pays, parce que nous connaissons et comme nous gagnons qui est dans le budget en termes de secteur, c'est à partir des taxes. Généralement, nous avons que pas suffisamment de moyens pour nous financer ensemble de dépenses qui sont obligatoires pour payer, pour nous faire investissement, et bien nous avons chita pour nous analyser tout ça avec le gouverneur BRH pour nous donner des informations, appréhension, compréhension des questions et pour permettre à l'ensemble des sénateurs de beaucoup plus de lumière pour voter en façon pour que et, tout parle en pile nous compte les clients après le budget pour que les ça nous portent lumière pour la population, les budgets après voter pour qu'ils ne parviennent pas constituer un facteur de crise au niveau sociétaire. C'est la même ligne à tout. Demain, si nous venons pour nous rencontrer avec Forum économique, nous venons pour nous rencontrer avec et association magistrat, association CASEC. Donc, bien que nous n'avons pas de budget rectificatif qui n'a pas un gros changement qui va venir là-dedans, budget vraiment qui va demander effectivement pour nous rencontrer à tout le monde, c'est budget 2018-2019 que le gouvernement va gagner pour déposer et nous connaissons un grand problème pour le ministre. C'est ça qui fait nous tout encourager le président de la République pour faire choix ça le plus rapidement pour c'est pour que nous autres, au niveau du Sénat et au niveau du Parlement en général, pour que nous dotions pays à permettre de nous toucher, de nous faire travailler et sa capacité d'augmentation des salaires pour nous gagner, en façon pour que nous-mêmes, au niveau du Sénat, pour que le budget soit apporté le plus rapidement possible.
Quand nous allons parler infrastructure, on dit aménagement à construction route qu'a fait dans la commune Camperin, facilité citoyens dans zone si là mener activité au plus bien. Bénéficiaires ont remercié chef l'État qui fait infrastructure routière et ont priorité dans le cadre caravane changement. On suit un reportage. Lévis, Martinière, Messan, La Porte, Bas-Camperin, ces différents quartiers saillants qui bénéficient construction et aménagement divers tronçons route dans le cadre passage caravane changement dans le Grand Sud là. Habitants zone saillants saluent engagement chef l'État qui croit développement réel là doit passer dans section communale et dans ville provinciale. Habitants ont expliqué mauvaise situation yo te kon vive avant réalisation travail dans route yo. Poussière, la boule et la pluie tombée te kon la cause yo trape yon se rivier maladie. Route sa yo ki fait d'après bénéficiaires yo améliorer condition la vie yo, permettre activité économique yo reprendre et puis bay Camperin yon l'autre visage. Le zone n'a pas de quoi asphalter. Il était très laid. Ça veut dire que pour ta sorti en bacan pour le bananier la prise, ça veut dire que c'était un ensemble de poussière. Ça veut dire que dans un moment, quand on a parlé là, on a parlé là comme ça. Tellement de poussière bay ou laid. Donc, pas de monde qui est capable de dire que je ne veux dire, nous sommes capables de bénéficier de ça. Et ça veut dire que je ne veux dire, je venais passer de haut niveau en l'autre niveau pour camper. Je suis content avec le président Jovenel Moïse qui a bon service. Ça, c'est... Nous avons souffert en pile. Depuis longtemps, nous avons camper. Si nous avons joué, nous avons dit que nous avons joué camper pour que je me fasse. Mais je ne veux dire, nous avons dit bon Dieu merci en pile. Et bon Dieu a toujours protégé ici dans tout le travail à faire. Parce que c'est le bon route camper. Avec les caravanes de changement, qui déposent un changement au niveau de route là, parce que nous avons des fois, tu connais pour avec poussière là, mais cette fois-ci que tout le monde campait dans la fête Sainte-Anne et le monde entier dans la fête Sainte-Anne et là au vini au genou l'autre couleur. Les mon avenir ici là, les années ma paye machine vina tout j'aime qu'on bien poussière. Mais beaucoup n'y a là ou une là ou pas en poussière ou pas en grand changement qui fait ouvrir aux environs des campagnes. Population Camperin qui bénéficie de travail sa yo dans le cadre caravane changement, pas suspendre, remercier président Jovenel Moïse qui comprend besoin et nécessité pour prendre en compte situation moun kap vive dans zone reculée yo, l'elle prend décision mettez accent sous problème commune ak section communale en dedans pays a fait face dans le cadre caravane changement. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause, zami téléspectateurs, rete branchés, n'ap tounen. Merci parce que nous toujours été branchés information yo sur télévision nationale d'Haïti. Deuxième tranche en journal là a démarré avec responsable projet Justice Sector Strengthening Program qui remet week-end passé en prime by gagnant deuxième édition concours reportage investigation dans secteur justice là. C'est Azen Moril Gardi Saint-Louis avec Marc Evanson Lebrun qui c'est trois gagnants dans catégorie catégorie ont été représentées. Isaïe Aurélus avec Moïse Wilbridge a dit non plus, nous avons compte rendu. Reportage texte, audio et vidéo, c'est sous trois catégories. J'ai eu à te pour travail. Sous une dizaine de reportages qui ont rapport avec l'investigation dans le secteur justice, j'ai eu à te choisir. Ils ont gagné dans chaque catégorie. Cause détention préventive prolongée, corruption dans l'appareil judiciaire, avec dossier Timon, soldats Nations Unies ont été quittés, c'est quelques parmi reportages pour style ont été présentés dans le cadre de concours. J'ai à saluer le travail participant yo, et puis encourager yo, continuer le travail pour aider la construction d'un appareil justice qui est diam. J'ai une investigation essentielle au fonctionnement de la démocratie saine. Cela contribue à la société stable. Il y a les États-Unis de la résolution 1958 jusqu'à 1970 avec Google et Bernstein et une partie qui faisait sur la Watergate. Jusque maintenant, pour le pays, nous avons les journalistes d'investigation. Peut-être nous avons tous des journalistes d'investigation pour ces soucis. Qu'est-ce que notre politique exige? Ce que j'ai appris moi-même, si vous êtes un journaliste toutiste, vous couvrez tous les sujets. Vous êtes un jour dans l'économie, un autre jour dans les sports, un autre jour dans l'environnement, un autre jour dans la... Vous n'êtes pas journaliste. Je vais dire un mot méchant, vous êtes journaleux. Parce que vous êtes au quotidien, vous travaillez chaque jour. Mais quand vous avez une spécialisation, on vous respecte plus. Et vous travaillez au-delà de la rédaction qui vous emploie aujourd'hui, qui vous paye aujourd'hui. Parce que le jour où vous allez décider de partir avec cette spécialisation, vous allez trouver un autre travail à faire. Gagnant différentes catégories concours, saluer des matchs là qui permettent de mettre les prétentions en valeur.
Je promets pour mettre les documents et produits dans le service quel que soit secteur qui travaille pour avancement système de justice là. C'est un texte qui te parlé, on travaille d'enquête qui parlait de monde qui pas diplômé du tout, qui pas aucun diplôme qui vient rapport avec la justice, mais qui c'est des juges qui dans le système là, qui nommé, qui a touché l'agent de l'État en même temps, qui a rendu justice by justiciable. Donc, nous trouvons que c'est un sujet qui était assez inquiétant, inquiétant pour nous-mêmes comme justiciables, nous-mêmes comme journalistes, qui pas aucune garantie, je dis à l'État de capacité pour dire que le monde qui est dans le tribunal là, son juge livré, son monde qui non seulement a étudié, qui est diplômé, que l'État certifié. Et puis les bas professeurs en dans le tribunal. C'est un reportage que j'ai réalisé sur viol qui est dans la commune Thomasique. Donc, nous sommes allés dans la commune Thomasique qui est située à 2 heures de route de la commune Inch. Un document comme ça est capable utile parce que je suis bien content que j'ai un responsable CSPJ et qui a participé dans le concours hein, et alors, comme membre jury. Et puis, je souhaitais que j'ai un suivi qui fait bon côté et responsable et on dit que j'ai 4 juges de peine dans la commune Thomasique. Je ne vais pas demander pour révoquer, je ne vais pas faire des propositions, mais je pensais que ça est capable, en fait, c'est barrer des éléments d'information par rapport ensemble avec des séries de barrières qui n'ont pas au courant que je les salis même ni travail, ni présenter barrio, yo jeunion produit côté que yo ka analyser puis ouais est-ce que effectivement juste ça mérité et bay justice dans zone ça. Moi même mon travail sur un sujet qui était assez difficile. C'est les enfants délaissés par les soldats de la MINUSSA ici en Haïti. Donc les enfants sont là, les mères elles sont là. Les parents ou sinon encore les pères, tes ADN monté c'est soldat mais ça qui papa. Donc si mon sao là il a souffri, maman a souffri. Donc si gen moun k'ap souffri, donc dossier avec dans dossier de justice, gen maître Mario Joseph qui a travaillé sur question. C'est comment que l'État haïtien capable permettre que même Jean pour dossier choléra gen avancer k'ap fait. Comment nous capable porter dossier soit dans la presse, mettre le dans l'opinion publique là, permettre que moun société a connaître gen des timoun qui a souffri par rapport avec papa yo qui laisser ou maman yo pas prendre rien. Comment Simon est capable de bénéficier de sa papa Eugène? C'est deuxième édition concours ça, après ça qui était réalisé dans le mois de septembre 2017 passé. Il fait partie du projet JSSP à exécuter avec financement Agence américaine pour développement international, USAID.